Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour parler des avantages de vivre à l'étranger. Et ma référence principale, enfin vous verrez comment ce sera illustré au long de cette vidéo, mais ce sera forcément le Sénégal parce que c'est le pays dans lequel j'ai le plus vécu en fait, le plus longtemps on va dire. J'en profite quand même pour en placer une pour Malaga, le Tiexon, où j'ai vécu pendant un an pour mes études en Erasmus. Encore à ce jour, c'est l'une de mes années préférées de ma vie entière. Dès que j'y repense, ça me procure du bonheur. Donc que ce soit en Espagne ou au Sénégal, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont ressorties et qui m'ont énormément apporté. D'ailleurs, merci à ma grande sœur de m'avoir limite forcée à aller faire mon année d'Erasmus en Espagne parce que j'ai failli passer à côté. Et au final, je pense que c'est quand même de là que tout part. J'aurais pu faire un choix qui m'aurait amené à une toute autre vie. Donc le simple fait de m'avoir motivée à faire cette année en Espagne, ça m'a vraiment permis de m'insérer sur l'une des meilleures voies qui pouvait se présenter à moi à ce moment-là, dans la continuité du fil de ma vie. Bref, premier avantage pour moi, déjà de voyager, mais en fait surtout de vivre à l'étranger, parce que c'est une toute autre démarche et une toute autre dynamique que de rester dans un pays vraiment en découvrant un peu le quotidien des autochtones, des locaux, et de s'y insérer, de s'y intégrer. Pour moi, le premier des trois avantages de vivre à l'étranger, c'est l'ouverture aux autres, un truc de malade. Je parle pas seulement des gens dans le pays où tu vis, par exemple, mais si aussi de tes proches, de ta propre famille et à quel point ça peut renforcer les liens de vivre aussi loin parfois. C'est paradoxal, mais moi j'ai grave senti que le fait de prendre du recul vis-à-vis de ma famille ou de choses comme ça, tu te sens 10 fois plus soudé parce que ça te fait d'autant plus apprécier les moments où tu passes du temps en famille ou les choses comme ça. Je pense que si j'avais pas vécu à l'étranger, il y aurait peut-être eu des risques que je m'éloigne, pas tant par la distance, mais plutôt par le cœur. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais à un moment, la famille, t'as quand même besoin de couper un minimum pour vraiment souffler et pour vraiment savoir comment tu te situes vis-à-vis de tout ça. Et ce qui aide, c'est du coup la découverte d'autres personnes que tu n'auras pas spécialement l'occasion de rencontrer dans ton environnement quotidien de ton pays d'origine. Bah, rien que par la différence de culture, par exemple. Mais pas seulement, en fait. Le fait de passer les frontières, comme tu perds en partie tous tes repères, en fait, bah, t'es obligé de créer du lien social et de te forcer à créer du lien social. Des introvertis comme moi, c'est grave bénéfique que de vivre à l'étranger parce que ça t'apprend à t'ouvrir au fur et à mesure et à déconstruire plein de craintes ou de préjugés ou enfin tu sais tout ce qui tient de la peur en fait concernant les autres. Et c'est surtout tu réalises qu'en fait avant tu baignais dans ta propre vérité, tu croyais que c'était la seule et unique sur terre, mais que à la rencontre des autres, tu vois bien qu'il y a des milliers d'autres manières de faire. Ça t'apprend en fait à accepter l'autre tel qu'il est en fait. Et il y a rien de plus fou et de plus dingue que de vivre ça à l'étranger. Parce que t'es quand même plus à même de rencontrer à H24 au quotidien des personnes qui sont différentes de toi en fait. Et moi qui étais super timide et réservée à bien des égards, et même si je sais que je suis encore un peu, je sais que ça n'a plus rien à voir et que la mode d'avant avoir vécu à l'étranger n'aurait jamais été capable de faire ce que la mode d'aujourd'hui fait. La mode d'aujourd'hui aussi est beaucoup plus à même de comprendre les autres, même sans les connaître, de ne pas tomber directement dans le jugement et de capter qu'il y a toujours une vie derrière tous ces êtres humains et que chaque personne qui agit différemment ou bizarrement concernant vos propres critères, en fait, ça veut rien dire parce qu'elle-même vous verra différente et bizarre sur ses critères à elle. Voilà. Deuxième avantage de vivre à l'étranger, du coup si j'en viens au plus global, c'est le recul que tu prends sur le monde en fait. Faire ton expérience plusieurs mois ou plusieurs années dans un autre pays, enfin moi en tout cas comment je le vois et comment je le conçois, en fait moi je suis visuelle je crois parce que des fois je m'imagine en mode satellite au-dessus de la Terre et ça te permet de mieux comprendre tous les causes à effet ou toutes les interactions entre chaque pays ou les choses comme ça. Ça te positionne vraiment dans une remise en question de ce qui est aujourd'hui et pour moi c'est une bonne chose parce que du coup ça te permet d'être d'autant plus conscient en fait, du monde dans lequel on vit et de pas rester genre fermé sur sa propre petite vie, mais comprendre que chacun de nos actes, chacune de nos actions, c'est en vrai c'est un putain d'effet papillon parce que ça peut avoir des répercussions à l'autre bout du monde, la manière dont tu consommes, la manière dont bah, justement dont tu entrevois les autres et tout ça, à bien des égards ça modifie un peu la dynamique du monde entre guillemets. De découvrir les autres pays et ou d'y vivre, enfin il y a vraiment une vision globale qui me vient à chaque fois et une sensibilisation en fait à la dinguerie que c'est que de vivre tous ensemble sur cette terre.
faire en fait. Et au-delà de ça, c'est même des perspectives de vie parce que tu te dis que de comprendre en fait tout l'impact que tu peux avoir toi en tant que personne ou en tant que groupe d'humains, je sais pas par exemple, moi je suis française, les Français tous ensemble, l'impact qu'on peut avoir sur le reste du monde, t'as envie de vivre différemment. Et quand tu rentres en fait, tu sens, il y a des nouvelles choses que tu appliques dans ton quotidien. Parce que moi du coup, je suis pas restée vivre à l'étranger, mais les moments où je suis rentrée en France, je savais que j'étais différente, mais différente dans le bon sens, plus vers la personne que je suis vraiment en fait. En fait, limite, c'était le début de ma vie, j'étais complètement à l'opposé de ce que j'étais. Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'est là que j'étais vraiment différente. Et en fait, plus ça va, plus j'en viens à être. C'est quoi l'antonyme de différent ? Similaire vraiment, et en fait, totalement alignée et centrée avec la personne que je suis réellement au fond de moi et tout ça. Et toi, même, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais même le rapport au voyage, en fait, je trouve ça grave délicat la manière dont on voyage aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, je suis un peu relou avec ça, mais en vrai, moi, pour moi, c'est... Enfin, j'ai besoin de comprendre l'essence de ce qui fait chaque pays, et, ou chaque ville, ou je sais pas, et de voir, en fait, comment vit l'habitant, et de m'en imprégner, entre guillemets, par curiosité, mais aussi niveau respect, en fait, en termes de respect, parce qu'aujourd'hui, en fait, la manière dont on voyage, c'est beaucoup de la consommation, en fait. C'est voir des endroits, des choses comme ça, la plupart du temps, sans prendre en compte aucunement les réalités même du pays. En fait, j'essaie d'éclaircir ma pensée, mais ça concerne peut-être plus les rapports entre Nord et Sud. L'exemple tout con, c'est d'aller dans un pays, juste profiter d'un hôtel quelque part, profiter de la belle plage qui a été réservée pour cet hôtel-là, alors qu'à la base, tous ces paysages, tous ces environnements appartiennent au peuple premier, et en fait ça a été réapproprié par tout un système capitaliste ou par des personnes qui ne sont même pas originaires de ce pays-là ou des choses comme ça. Enfin, bref, là c'est l'exemple un peu gros, mais c'est un schéma quand même qui se répète énormément partout sur Terre. Enfin voilà, je reviendrai peut-être dessus un jour, mais bref. Le voyage pour moi, ça m'a amené à prendre d'autant plus en considération l'humain en fait, et ou l'humanité, voilà, de manière globale. Namasté, bon, namasté, chez Père. Chikungunya. Du coup, le troisième point, c'est les gros changements qui s'occurent en toi, qui s'occurent. Le rapport à soi, c'est une folie. En mode, je suis trop heureuse d'avoir fait les choix que j'ai faits. Au-delà des compétences que ça peut t'apporter, notamment quand tu pratiques une langue étrangère ou les choses comme ça, il y a aussi tous les fonctionnements que tu as en toi. Par exemple, le voyage, pour moi, c'est grave synonyme de patience. C'est retrouver un peu le rythme normal de la vie et être patient dans toutes les incompréhensions, dans toutes les choses qui se passent en face de toi ou tous les rythmes qui sont différents de toi et prendre sur soi à ce moment-là quand il n'y est pas habitué, parce qu'on est beaucoup habitué à vivre à un rythme effréné. Enfin, il y a plein d'automatismes qui ne sont plus valides, en fait, à l'étranger ou des choses comme ça. D'avoir vécu au Sénégal pendant 2 ans et d'y être allé mouter de fois, j'ai capté direct que c'était une autre dimension temporelle, mais une dimension temporelle bien plus réelle que celle qu'on a tendance à expérimenter en Occident par exemple. Enfin, il y a plein de choses qui te changent et te bouleversent. Donc au-delà des compétences, j'allais dire, c'est vraiment tout ce que ça t'apporte en termes d'estime de toi. Parce qu'en fait déjà, rien que de passer le cap d'aller vivre à l'étranger, surtout quand tu le fais en mode solo, c'est quand même une grosse sortie de zone de confort, et quand tu vois que t'es capable de le faire, tu reprends quand même un peu de confiance en toi, t'as capté. C'est pour ça que c'est bon de le réitérer. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est comme un muscle et ça s'entretient, et c'est souvent par des sorties de zone de confort comme ça que tu as même de mieux te sentir intérieurement et de voir qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur et que les choses se font en fait plus ou moins facilement, mais les choses se font. C'est toute cette perte de repères, surtout quand tu vas dans un autre continent, qui t'amène en fait à te prendre toi pour propre repère en fait, et du coup à vraiment te positionner dans ce que t'es vraiment. Je le répète, mais moi j'ai jamais autant grandi. Enfin, le Sénégal, c'est ma référence de ouf parce que j'ai trop d'amour pour ce pays-là, mais j'ai jamais autant grandi que toutes les fois où je suis partie au Sénégal. Je faisais un mois de séjour au Sénégal par exemple, j'en apprenais 10 fois plus sur moi et je grandissais 10 fois plus que 2 ans en France, et j'exagère à peine. Parce qu'en France, je me sens vraiment stagnée et c'est pas la même dynamique. Parce que quand t'es à l'étranger, t'as pas vraiment le choix que de te challenger et de te dépasser surtout. Parfois, tu vas te prendre des grosses claques. Des fois, ça va être fluide, ça dépend. Mais en fait, c'est là que t'apprends à te défaire de toutes tes croyances et que t'as d'autant plus de recul pour voir tout ça. Parce que comme t'es dans un environnement différent, tu constates d'autant plus tes propres fonctionnements, tes propres faiblesses, tes propres forces. T'as une prise de conscience en fait de ce que tu es et de tout ce que tu peux délaisser en fait, qui ne font pas partie de toi. Des choses auxquelles tu t'étais identifié, mais qu'en fait, tu peux. Ouais, laisser de côté quoi. Donc pour moi, le principal avantage vraiment de vivre à l'étranger, c'est la découverte de soi, un truc de ouf. Et j'en parlais dans ma vidéo sur ma meilleure rencontre en voyage. Au final, tu te rends compte que... Je vais me répéter, hein, je vous spoil cette vidéo-là, mais voilà, vous n'aurez pas à la regarder comme ça. Mais au-delà de tout le voyage que ça représente sur Terre, en fait, c'est surtout le voyage intérieur que ça te fait faire. Brah !
Voilà, bref. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont séjourné à l'étranger quelques mois, quelques années? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel a été le principal avantage d'avoir vécu cette expérience? Et de quoi êtes-vous le plus fier, en fait, après avoir vécu ça? Ou si vous êtes en plein dedans, en fait? J'aimerais trop savoir ça. Voilà. Et juste pour le petit parallèle, les images là que vous voyez tout au long de la vidéo, c'était en début d'année. Paradoxalement, je parle de vivre à l'étranger, mais ça a été le voyage un peu qui a clôturé mon expérience au Sénégal, parce que ça a été des images de quand je suis partie chercher mes affaires que j'avais laissées là-bas pour un peu terminer le chapitre du Sénégal et peut-être, qui sait, en ouvrir un autre ailleurs. On verra. Bisous l'humanité. La merde, mettez les matchs en ligne. Matchs en ligne. Game, yo. All in the game.